Allez salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo calendrier de l'Avent unboxing. J'en fais rarement mais là j'ai reçu de beauté privée, j'ai commandé plutôt sur beauté privée des calendriers de l'Avent. Vous avez vu le précédent qui est le calendrier Nivea. Vous allez voir, n'hésitez pas, je vous mets dans le petit la vidéo. Si ça vous intéresse, vous allez voir ce que j'en pense, s'il est bien ou pas. Il est d'une valeur de 39,90€. Et celui-ci, aujourd'hui, c'est le Dove. Oui, parce que j'ai vu que sur beauté privée, il y avait pas mal de calendriers et il y avait Dove. Et tiens, je me dis, tiens, je vais pas tester Dove. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé des produits Dove. Pourquoi pas, hein? Comme dirait ma petite copine Ella. Why not? Donc je me suis dit je vais le commander. En plus il était pas très cher, si je me trompe pas il était autour de 15 ou 19€, grand max 20€. Donc je me suis dit bon, ça passe, 20€ ça reste raisonnable hein, comme prix. Il y a du soin et la présentation est pas mal. Donc c'est un calendrier comme ceci. Vous pouvez ouvrir donc les deux portes et vous avez attention que 12 cases. Donc soit vous faites un jour sur deux avant Noël, soit vous faites les 12 premiers jours, c'est vous qui voyez hein. Mais ça c'est dommage, j'aurais aimé que ce soit un 24 cases. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était moins cher hein, évidemment. Mais bon, hein, c'est pas mal. Après il est réutilisable si vous voulez faire un cadeau d'anniversaire avec 12 petits cadeaux, ou un cadeau de Noël avec 12 petits cadeaux, c'est pas mal hein. Vous redesignez ça évidemment hein. Moi je pourrais le redesigner avec ma Cricut hein. Je vous renvoie vers mes vidéos Tipsy Vlog. Mais je pense que je ferai ça d'ailleurs. Je vais le réutiliser si les boîtes sont potables. Je vais réutiliser ça. Par exemple la numéro 1, elle est là. J'allais dire elle n'est pas là. Si, si, elle est là. Donc c'est des petites boîtes comme ça. Et oui ça va, on peut les réutiliser, on peut les redesigner, on peut les réutiliser. Hop, et à l'intérieur, donc chez Dove, qu'est-ce qu'il nous propose Dove? Un petit accessoire en numéro 1 qui me plaît bien. Regardez ça, un petit... alors je m'en sers absolument jamais mais je trouve ça trop cute. En plus avec les petits cils comme ça, donc pour dormir, pour en voyage, tout ça, ça sert toujours. Ça, je valide, j'aime bien l'idée, après ça plaira pas à tout le monde mais moi ça me plaît. Le numéro 2, pareil, donc ouh, il a l'air plus lourd. Une petite boîte, donc je vous dis, hein, c'est réutilisable à souhait, donc ça c'est trop cool. Et... qu'est-ce que c'est? Ah, une miniature de produit qui est un lait hydratant pour le corps, le Deeply Nourishing, 0% de sulfate. Donc ils ont essayé de faire un petit peu attention à leur compo. Le voici, ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé les produits Dove, je vous jure. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Oh, ça sent l'enfance, encore une fois, c'est comme Nivea, ça reste des mythiques. Ça sent l'enfance. Ça sent très bon, j'aime beaucoup l'odeur là. Ah ouais, ça sent super bon, c'est un lait hydratant qui est très doux. Ah ouais j'adore, et ça pourra peut-être servir pour ma fille, je pense que le petit format lui plaira. Bon le bouchon c'est peut-être pas très pratique pour elle mais ma foi c'est un beau petit cadeau. Le numéro 3, oh là mes mains sentent le propre là. Le numéro 3, hop, on a quoi à l'intérieur? Un petit produit, encore. Alors là c'est les rois des miniatures les gars. Donc un petit produit, d'ailleurs je viens de voir que la marque était vegan, cruelty free. Non, pas vegan, pardon. Cruelty free, donc ne teste pas sur les animaux. Et là, c'est un petit shampoing Dove. Alors ça, je m'en servirai absolument pas. Donc encore une fois, je vous mets, à la fin de la vidéo, je vais vous donner un petit mot bonus. Et tous les produits que j'utilise pas, eh bien, ou ça sent le Dove traditionnel shampoing. Moi, j'aime pas trop. Et puis, c'est pas adapté à mes cheveux. Mais je vous mettrai un petit lot avec des produits Dove et d'autres produits, je pense. Et puis, je vous ferai gagner tout ça dans ma vidéo. Donc surtout, vous commenterez cette vidéo avec le mot bonus et puis je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner dès maintenant si ce n'est pas encore fait pour d'autres concours, d'autres unboxings, d'autres vidéos maîtresses et tout ça et tout ça. Le numéro 4, alors c'est tout léger, hein, ça me paraît tout vide. J'ai peur d'être quand même déçue pour 20€. Alors qu'est-ce donc? Une lingette avec le logo de Dove, super mais ouais. Ah non c'est pas une lingette pardon, c'est un bandeau en fait pour faire ses soins. Ouais, ouais il est vite fait hein. Ouais. Alors, bon. Ouais. Je suis sceptique. Un petit bandeau pour faire ses soins, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que je vous le laisserai dans le concours. Parce que bon, moi j'en ai plein de bandeaux. Hein. Et des plus beaux. Le numéro 5, c'est un peu plus lourd. Donc, ça a l'air d'être pas mal de miniatures. Et cette fois-ci, du coup, c'est. C'est pas en français hein, d'ailleurs. Hein. Reconstruction Intensiva Balsamo. Ça a l'air d'être en italien ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est un... Oula. Est-ce que ce ne serait pas l'après-shampoing qui va avec le shampoing? Peut-être. Donc c'est cette gamme-là pour info. Ouais, non, là, je suis pas conquise. Ça m'intéresse pas encore une fois puisque moi, ça m'intéresse pas les produits capillaires Dove.
J'espère qu'ils en ont même pas mis d'autres. Le numéro 6 qui est tout léger. Vraiment, c'est ridicule, j'ai l'impression, ce calendrier. C'est la déception. Oh, la déception. Ils ont mis une pince à épiler blanche, certes, elle est toute bien, toute blanche là. Mais sérieux, quoi, Dove, c'est plus des soins, des produits capillaires. Non, 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 je suis un peu déçue là encore. 7. Ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont vides les cases. Alors, une lime à ongles, tiens, bah ouais, forcément, après la truc épilation. Une lime à longue, une lime à ongles en verre, protégée par son petit plastique. Donc, le fait que ce soit en verre, je crois qu'elle dure plus longtemps, mais moi, j'aime pas trop ça. Hein. C'est pas ce que je préfère, donc là, je suis un peu déçue. Hein. Le numéro 8. Il paraît pas lourd non plus. Ah, ah ça, j'aime bien. Ah, en plus, ils en ont mis deux, c'est bien. Ils ont pas fait les radins. Des petits chouchous comme ça, avec des petits trucs comme ça, là, j'adore. Ils sont un peu en espèce de satin blanc, très très beau. Vraiment, ils sont trop beaux. Ça, je valide, j'adore. En plus, deux, c'est bien. Un pour moi, un pour ma fille, c'est très 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 bien. Enfin, un truc un peu potable quand même. Hein. Le 9, on est presque à la fin. Et honnêtement, il n'y a rien eu d'intensif, là. Il n'y a rien eu de top top. Hein. Le 9, on a un déodorant Dove. D'ailleurs, vous savez quoi? Je viens de penser, mais sur le site Beauté Privée, il n'y avait pas de spoil. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, ah cool, il n'y a pas de spoil. Mais du coup, bah, je comprends pourquoi il n'y a pas de spoil maintenant. Donc là, c'est l'original de chez Dove. Ça reste le basique, sauf qu'il y a de l'aluminium à l'intérieur. Donc moi, je ne m'en servirai pas. Je n'utilise pas de produit comme ceci. C'est un 0% d'alcool et anti-transpirant. Donc ça peut être pas mal pour certaines hein, qui cherchent vraiment un anti-transpirant. Et pas forcément un déodorant. Mais voilà, ça reste un mythique de chez Dove. Donc c'est cool qu'il y soit. C'est juste que ça serait bien qu'ils fassent un effort sur la compo maintenant qu'ils enlèvent cet aluminium. On est au 10. Ouais, au 10. Donc celui-ci. Ça m'a l'air d'être un deuxième déo. Non, pas un deuxième déo. Ah, si. Si, 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 ils ont fait ça. Ils ont mis deux déos à la suite, les gars. Un deuxième déo. Celui-ci, c'est l'original, encore une fois, en version chipsite et en version miniature. Et celui-ci, il y a aussi de l'aluminium, malheureusement. Ils sont bons, hein. Ça c'est vrai que c'est les déos mythiques de chez Dove, ils sentent bons, mais à Dove là c'est la décevance parce que parce qu'ils font pas d'efforts en fait, ils ont rien fait de nouveau quoi, Dove, il faut se mettre à la page je trouve. On a une grande case numéro 11, mais j'ai pas l'impression que ce soit un grand produit, est-ce que c'est un troisième déo? Non, non, non. Une crème, alors qu'est-ce que c'est comme crème? C'est pas en français d'ailleurs, donc c'est un calendrier de l'Avent qui n'a pas été sorti en France je pense. Spa intensive. Est-ce que c'est une crème pour les mains enrichie à l'huile oméga et pour les peaux éclatantes, lumineuses et douces? Ça, c'est pas mal. Mmh. Oh, l'odeur, elle sent très très bon. Ah ouais, l'odeur là, c'est pas l'odeur de Dove, c'est vraiment une petite odeur un peu plus recherchée. Oh, oh l'odeur. Elle sent méga, méga bon cette crème. Vraiment, je suis épatée. La Derma Spa là. Oui, bon, ok. Là, on commence à se terminer sur un produit sympa, un produit que je connais pas, donc ça, c'est cool. Et le dernier produit qui est le plus gros de la boîte, donc le numéro 12, qui est gros, espérons que ce soit aussi bien que l'avant-dernier, là. Ils nous ont mis le savon Dove mythique, évidemment. Bon, ça sent bon, hein. Moi, j'ai rien contre les savons, je les utilise beaucoup pour laver mes pinceaux. Après, mes pinceaux, ils sont très très bons. Mais bon, ça, je l'aurais bien vu dans une case du style numéro 4, où, tu vois. Hein. Oui, ils sont bons, mais c'est pas la révélation. Ils ont mis une grande boîte pour ça. Ils ont un peu triché, ils auraient pu mettre un deuxième produit. Ouais, 20 euros. Non, là, je trouve que je me suis fait arnaquer. Hein. Dites-le, comme moi, c'était la décevance. Ce calendrier est une décevance et vraiment décevant, il n'y a rien à dire d'autre. C'est dommage parce que j'attendais un petit peu plus de Dove. Vraiment, allez voir ma vidéo Nivea, vous allez voir qu'elle est vraiment pas mal comparée à Dove. C'est pas le même prix, mais c'est vraiment autre chose. Déçu, 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 mais bon, hein, ça arrive, c'est le jeu, ma pauvre, je vais set des calendriers l'avant. Je vous prépare donc un petit concours, un petit lot avec des produits Dove et d'autres produits parce qu'il n'y a pas assez de produits à mon goût dans ce calendrier pour partager tout avec vous. Et je vous invite à mettre le petit mot bonus qui sera... Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot bonus aujourd'hui? Va falloir que je sois originale un jour. Hein. Écoutez, on va mettre le mot fleur parce que là... Non, feuille, feuille. Le mot feuille parce qu'ici vous avez une jolie feuille dorée, vous la voyez. Et comme je n'ai pas d'idée de mon bonus, et ben on va faire ça. Comme ça, ça va être un peu galère pour vous de trouver comment l'introduire dans votre petit commentaire. On met de la difficulté aujourd'hui. Non, ben j'espère que vous serez au rendez-vous en tout cas, que vous allez mettre un petit commentaire avec le mot feuille. Et comme ça, je vous concocterai un petit lot que je vous
vous en verrez très prochainement. Pour le tirage au sort, comment ça se passe? Eh bien, je mettrai le nom de la gagnante dans la barre d'infos d'ici une petite semaine. Et je le dirai aussi dans mes Titchy Vlogs. Donc rendez-vous le samedi 14h pour les futurs Titchy Vlogs pour voir les tirages au sort. Je vous glisse aussi dans la barre d'infos les liens vers Beauty Privé si vous voulez aller zioter tous les calendriers qu'il y a là-bas et qui sont plutôt intéressants. Et je vous fais de gros bisous. Salut, salut!